Je suis vachement ému quand même parce que genre Gazdex, c'était quelqu'un de vachement... Non, je suis désolé, je le fais très mal. Ça fait content de vous retrouver. Ça fait content de vous retrouver. Attendez, ça commence avec un coup de fil, excusez-moi. Hello. C'est à nouveau quelqu'un qui veut m'acheter une Volkswagen Polo. Ça fait une semaine que je reçois quelques coups de fil comme ça de temps en temps, des gens qui disent qu'ils sont intéressés par ma voiture. Et je suis désolé, c'est une erreur de numéro. Donc il y a quelqu'un qui vend une Polo, qui a foutu mon numéro à la place du sien sur la petite annonce. Qui du coup doit être en train de se dire, mais pourquoi personne m'appelle? Elle est bien ma Polo. Pareil, alors attends, je sais pas comment. Il y a quelqu'un qui a donné mon numéro de téléphone au monsieur bricolage de Carcassonne, je crois. Et du coup j'ai commencé à recevoir des textos qui m'informaient des promos chez monsieur bricolage de Carcassonne. N'oubliez pas de participer à la tombola à la caisse. Vous pouvez gagner une Thalasso à Mulhouse. J'étais super content, vous doutez que j'étais absolument ravi de recevoir ce genre d'informations. Ceux qui veulent acheter du BA13, sachez qu'en ce moment à Carcassonne, il y a des petits prix. On devrait juste demander à chacun des Français pour qui ils comptent voter, c'est plus simple. Ouais, un système avec des grosses boîtes dans lesquelles on mettrait des petites enveloppes. Ouais, non, c'est une bonne idée. C'est déjà arrivé des traîtres. C'est toujours pareil, la notion de traîtrise, c'est une notion relative. C'est une étiquette qu'on colle sur la tête de quelqu'un, mais que cette personne refuse en disant non, mais moi j'ai trahi personne, je suis resté fidèle à ce que j'ai toujours dit. Je pense donc Valls trahi. Ouais, mais encore une fois, là, il y a eu un congrès d'astronomes l'année dernière. Ils sont assez unanimes, hein. La planète ne tourne pas autour de son nombril. Ils ont vérifié pourtant, hein. Ils ont fait des mesures et tout. Ça marche pas à chaque fois, hein. Putain, c'est chiant. À 100, j'estime un traître aux USA. Ouais, alors vous voulez qu'on joue la provoque? On peut jouer la provoque. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un traître finalement? Il avait juré qu'il négocierait jamais avec le PS. Les mecs du NPA, vous le sentez comment là? Il est complètement dingo. Vous trouvez pas qu'il a un peu trahi quand même Jean-Luc Mélenchon? Bah oui, mais c'est pas grave. Ah bon, bah c'est bon alors. Non, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. Oh, tout de suite. Qu'il est taquin ce Jean Massier, mais. Oh, on peut pas comparer. C'est plus simple avec Valls. Ouais, bien sûr. Il y a le bon traître et le mauvais traître. Le FN appellerait à voter en marche, logiquement en cas triangulaire. Hein? Tu crois que ce sera une consigne nationale? Et Bardella. Ah ouais, c'est Bardella qui l'a dit? Il l'a pas dit, mais il a sous-entendu. Ah bah c'est pour ça que je l'ai pas entendu, c'était très sous-sous-entendu alors. Tu sous-écoutes aussi? Ah ouais, non, je sous-écoute, oui. Puis en plus, j'ai des informations partielles. Donc avec Apolline, ça c'est le prénom, je suppose, de la journaliste, Apolline de Malherbe. Le chat en mode père Fouras. Attendez. On va être assez clair sur ce dont on est en train de parler. L'initiative doit également être l'occasion de faire barrage à une autre menace qui guette le pays. Jordan Bardella n'appelle pas à voter En Marche au second tour dans les circonscriptions dans lesquelles le RN n'est pas qualifié pour faire barrage à la NUPES. C'est sous-entendu. Non, j'ai sous-compris. En tout cas, à l'Assemblée nationale, il y a eu plein de nouveaux députés, de gens qui sont rentrés en politique via l'REM, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il fallait envoyer un fax. Un CV. Il fallait envoyer un CV. Je suis vieux. Il y a un autre truc quand même qui s'est passé dans tout ce marasme, on pensait à autre chose, c'est au niveau européen quand même, hein, le 9 mai, la journée de l'Europe. J'ai l'impression que c'est complètement passé à la trappe parce On a dit qu'on en parlait, fallait bosser la journée de l'Europe, là. Non, il y a écrit, je donne la parole à Léa. Léa, n'y a-t-il pas des discussions importantes sur les traités? Tout à fait, en direct de Strasbourg, donc alors, je vous reçois. Je vous reçois. Aujourd'hui, nous avons donc reparlé de la cérémonie de la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui, figurez-vous, avait commencé il y a un an tout juste. Tu ferais une excellente Nelson Montfort, hein. Je tiens à te dire, franchement, donc c'est... Finalement, j'ai peut-être raté ma vocation, merde. J'étais trop vénère parce que j'ai vu que tu avais fait le truc pour la série Parlement, pour la deuxième saison, du coup je me suis dit, banco, la deuxième saison est sortie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, elle n'est pas encore sortie. Mais si, elle est sortie lundi, le 9 mai, journée de l'Europe. Non, le 9 mai. Le 30 mai à la télévision. La télévision, c'est le grand écran dans le salon, là, devant le canapé, avec la télécommande, avec les touches en caoutchouc. Ça, faut pas, c'est de la merde. Ah, mais la daronne, quoi. T'as regardé dans Télé 7 jours, j'ai t'as tous vu les le 30 mai. Comme ça. Merci, Sacha, pour cette carte blanche et cette recommandation. Donc, à retrouver sur le site de Mediapart l'émission À l'air libre. Et complément, et d'enquête, le complément d'enquête à la télé. Plus, PL2Z. C'est quoi Plus? Plus, c'est la plateforme où il y a les contenus de France Télé. Je crois que c'était Salto. France Info. Non, mais sur Internet. Non, Salto, c'est l'offre payante de programme. Plus, c'est les replays. Plus, ça existe plus, ah bon? Bah moi, je tape Plus, j'ai Plus, hein. Discussion lunaire avec le chat. À force de changer les listes d'investiture, Richard Ferrand a déclaré avoir l'impression d'être un entraîneur de foot, de jouer aux chaises musicales, de vivre dans un club échangiste. Ah oui, d'accord, ok. Ou de faire le plan de table du The Event. Parce que les chaises musicales, c'est ça correspond pas à un travail de sélectionneur. Là, c'est le truc sélectionneur. Ouais, quoi. Mais ça fait un peu un truc de boomer, tu vois, genre j'ai l'impression de jouer aux chaises musicales. Que te dire d'être dans un club échangiste, lol. Non, ouais, poète, machin, non. Non, je, crois je pas le vois trop, pas comme ça. Ouais. Vous me décevez tous. C'est la réponse C. Quoi? Non. Mais oui. Sérieux? Mais oui. Non. Je cite, je vois pas le jour, on fait des listes et des listes, on change, on permute, j'ai l'impression de vivre dans un club échangiste. Comment ça? Ah, parce qu'on change, on permute. On change, on permute. Tu sais ce que c'est qu'un club échangiste, Sacha? C'est vrai que je suis déçu là, vraiment il m'a déçu, Richard.
Vous réfléchissez, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a combien de partis qui ont coalisé? Coalisé ou coalitionné? Coalisé. C'est pas comme coaguler, parce que ça c'est plutôt médical. C'est pas comme coliser, qui est plutôt architectural. Non, non, c'est précis hein, la politique, c'est du vocabulaire. Born to be wild. Ouais, ouais, dans toutes tous les jeux de mots ont déjà été faits. Born to be wild, Born to be alive, les mille bornes, Dragonborn. Bloodborne. Dépasser les bornes. Born in the USA. C'est bon là, on les a toutes faites. Je voudrais dire aussi au peuple de France combien je sais que les mois écoulés, marqués par une crise sanitaire inédite, ont été difficiles. Combien cela a engendré de décès, de souffrances. Dès lors que le président de la République a une majorité à l'Assemblée nationale, le pouvoir il est plus à l'Élysée qu'à Matignon. Ah non, je vais mourir. Attendez, je suis pas mort. Excusez-moi, j'ai toussé. Ça m'a fait guili dans la gorge. Je suis pas ému. Putain, ça. Eh, regardez, ça coule. MDR. Je suis vachement ému quand même parce que Jean Castex, c'était quelqu'un de vachement. Non, je suis désolé, je le fais très mal. Rappelons à tous qu'Elisabeth Borne n'est pas Christine Lagarde. Ah, il y a peut-être des gens qui confondent Elisabeth Borne et Christine Lagarde. Ouais, non. Rien à voir. Ouais, c'est pas Catherine Vautrin non plus. Non, faut pas confondre à Catherine Vautrin. Ce n'est pas Sandrine Rousseau non plus. Non, ce n'est pas Sandrine Rousseau. Effectivement, si vous regardez que les cheveux gris coupe courte, effectivement, on peut confondre. Elisabeth Borne, Sandrine Rousseau et Christine Lagarde, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus Jean Castex. Et je sais pas faire les boutiques, moi je suis nul à ça. En général, je rentre dans la boutique, je ressors moins de 4 minutes plus tard. Et là, j'ai un peu pris mon temps. J'ai regardé, je fais. Non, je vais regarder les matières. Oh, j'aime bien. Oh, ça, j'aime moins. Voilà, je me suis découvert. Par contre, juste un détail, c'est moi ou il y a des travaux derrière lui là? Si, on est d'accord, attends. Mais c'est chaos absolu, la 6ème République. Il y a des travaux chez France Inter. Ah, mais finalement, France Inter, c'est comme n'importe quel streamer. Il y a des travaux dans l'immeuble, tout le monde entend la perceuse. J'ai essayé de te faire deviner par Akinator, il a échoué. Mais oui, il échoue toujours Akinator. Attends, on va essayer. Personnage. Je suis un personnage. Ton personnage a-t-il une apparence féminine? Non. Ton personnage fait-il partie de la team Crouton? Malheureusement pour lui, non. Ton personnage a-t-il une cicatrice sur l'œil? Ton personnage fait-il des vidéos sur Roblox? Pas assez, malheureusement. Je fais pas assez de vidéos sur Roblox. Est-il lié à Fortnite? Non plus, malheureusement. À votre grand désarroi. Allez, pour toi, public. Je vais jouer à Fortnite. T'arrives au milieu de la saison, tu vas rien capter. Il y a des saisons. Tu ne proposes pas de Fortnite, comment on annule un follow? Ton personnage possède-t-il un chien? J'ai un coloc, mais j'ai pas de chien. Ton personnage est-il le village de Konoha? C'est quoi, c'est une ref? J'ai pas la ref. Ah, c'est Naruto? Ah, j'avais pas la ref. Ah, désolé. Ah, il va y avoir des unfollow là. Ton personnage apparaît-il dans le film Jurassic World? Non. Stand down. Putain, mais Akinator, t'as fumé quoi? Ton personnage fait partie du groupe Momoland. Pareil, pas la ref. Est-ce qu'il a plus un million d'abonnés sur YouTube? Alors si vous vous abonnez tous maintenant, peut-être. Est-ce que ton personnage s'est fait connaître grâce à Twitch? Ah oui! C'est pas pour ma cuisine que vous m'avez connu. Fait-il partie du dessin animé Pokémon? Mais toujours pas. Est-ce qu'il porte des lunettes? Oui, 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 oui! Est-ce que tu apprécies ton personnage? Oui, oui, plutôt. Voilà, bon, il y a des moments moins que d'autres, mais probablement. Probablement. Ton personnage pratique-t-il un sport dangereux? Est-ce que le commentaire d'actualité politique sur internet est un sport dangereux? Avec des insoumis, oui. Ton personnage a-t-il un rapport avec Marseille? Comme dirait un célèbre député de Marseille... C'est Marseille, bébé! Je suis partout chez moi en République. Passe-t-il son temps à draguer? Est-ce que je passe mon temps à draguer? Abonnez-vous, hein. Vous savez que si vous abonnez à ma chaîne, vous avez des orgasmes plus longs et plus intenses. Ton personnage est-il appelé par son nom et prénom? Oui! Ah ça oui! Fait-il la politique? Oui, 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 oui! Techniquement, je fais pas de la politique, Akinator. Non mais on va l'aider là, on va mettre oui. Ton personnage est-il amoureux de toi? Ça, il faut que j'en parle avec mon psy. Ah, ton personnage dirige-t-il la chaîne Acropolis? Alors, là, faut que je réponde non, parce qu'Acropolis n'existe plus depuis bientôt 3 ans quand même. Mais on va lui dire oui quand même. Ah, bravo Akinator! Je vous fais des bisous sur les fesses, tant qu'on y est.